Pas mal. Où est le fichier? La cantine est là, au centre, après les décharges chimiques. Ah. Il faut que j'aille là-bas. Dommage. Le seul moyen d'y aller, c'est par le tunnel. Ils protègent le tunnel comme si c'était l'entrée du Valhalla, putain. C'est quasi impossible de passer. Est-ce que tu peux m'aider? T'as l'air de bien connaître la ville. Je vivais déjà dans cette ville bien avant que le monde ne parte en vrille. Je pourrais t'aider, mais... il te faut un biomarqueur. T'iras pas loin sans ça. Tu viens d'où? D'assez loin, j'imagine. Environ 2000 kilomètres. Oh, merde! Comment t'as fait pour pas être infecté? Facile. J'ai évité les morsures. Ici, c'est différent. On est tous infectés. T'as entendu parler de Haran? Ils ont isolé Vildor aussi. Ils ont construit des murs. Ils nous ont enfermés. Et en fait, c'est ce qui nous a sauvés. Et comment on se procure un biomarqueur? On peut pas se les procurer. À moins de connaître la bonne personne. Et moi, je la connais. Allons-y. Au fait, moi, c'est Akon. Et moi, Aiden. C'est un plaisir de te rencontrer. Bienvenue au paradis. Par ici. Tu te débrouilles bien? J'étais militaire. Unité spéciale? Pendant 7 ans. J'ai même aimé ça. Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire et...
Unité spéciale ? Pour insubordination, j'ai été mis sur liste noire et mon compte bancaire a été vidé. J'ai fini par faire le taxi. Eh ben, les puissances sont tombées bien bas. Salut, Sky. Comment tu vas ? Comment vas-tu ? Attends, je sais pas s'il faut que j'y ici. Allez. Bien, bien, et toi ? Comment tu vas ? Allô. T'es trop faible. Sans inhibiteur, tu tiendras jamais. Est-ce que j'ai pas tout cassé la dernière fois que tu me l'as donné ? C'était juste la première fois. Mais ensuite, ça s'améliore. Si tu survis, bien sûr. Attrape ça. T'es en train de me dire que j'aurais pu mourir ? Si je te l'avais pas donné, tu serais mort de toute façon. Dis-moi, pourquoi tu m'aides ? Je sais que les gens ont généralement peur de vous. Mais un pèlerin m'a sauvé la vie. J'ai été un pèlerin, maintenant je suis infecté. Ça va être beaucoup plus dur de voyager. Bienvenue dans ta nouvelle vie, mon ami. Va jeter un œil là-bas. C'est comme des coffres au trésor. Habituellement, il y a des trucs dedans. Jette un œil, je t'attends. Quelqu'un ne pourrait pas rejoindre un abri avant la nuit. Qu'est-ce que c'est que ça ? Des cristaux. Quelqu'un a dû les planquer ici. Ils se sont formés quand on nous a balancé ces trucs chimiques. Certains croient que ça ralentit l'infection. Mais c'est juste des superstitions. Tu les récupères pas alors ? Bien sûr que si. La superstition, ça rapporte un paquet. Puis ça me fait toujours plaisir de délester un type de son blé. Je cherche un coffre en particulier. Viens, je vais te montrer. Stop!
Alors, il y a une armée ici ? Les pacificateurs. Ils traitent les gens comme ça aussi. Fais gaffe à eux. Ils gardent le tunnel par lequel tu veux passer. Mmh. J'agirai avec prudence. Bien. Mais ça suffira peut-être pas. Ouais, c'est des vrais plaies. Ils énervent sérieusement les gens du bazar. C'est une vraie poudrière. Le bazar est à deux doigts d'exploser. Hé, hey, on y va ? Tu voulais pas me montrer quelque chose ? Carrément. Suis-moi. Presque. J'espère qu'il n'y a pas de surprise. La nuit tombe. Ils vont bientôt se réveiller. Vite, ouvre le coffre. Et après, on te récupérera un biomarqueur. Merde. Des voleurs. Attends. Non, laisse. Si t'abîmes la serrure, tout est foutu. Assez pour un biomarqueur ? Où est-ce que t'as eu ça ? J'ai parcouru cette ville dans tous les sens, et j'ai jamais vu d'équipement GRE en état de marche depuis des années. Je peux pas t'en dire plus, mais un ancien scientifique du GRE, Dylan, me l'a donné. Un gars du nom de Walls l'a tué. Avant de mourir, Dylan m'a donné la clé pour que Walls la récupère pas. Elle contiendrait des informations importantes. J'espère en apprendre plus au Fisheye. Ah, on verra bien, hein. Putain, on a mis trop de temps. Plan B, on dégage. On doit trouver une lampe UV. Le bazar. On peut y arriver. Suis-moi, vite. Hakon. Allez, ouvre maintenant. Hakon, un hurleur arrive.
biomarqueurs. On n'a pas le temps, on a un hurleur au cul. Des biomarqueurs. T'es sourd ou quoi derrière nous? J'ai dit des biomarqueurs. Là, voilà. Et le sien? Il est avec moi. Je dois voir son biomarqueur. Laisse-moi au moins passer la porte. Il faut que je voie son biomarqueur. Ah. Et un peu de matos électronique. Fumier! Merde. Je suis tombé. Non, 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 non. Je suis tombé. Je ne vois rien. Je ne vois rien. Je ne sais pas où est la sortie. Donc, les gars. Mais où est-ce? Ah, tu m'as pas. Mais non, mais tu m'as enlevé. Mais c'est fait. Oh là 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 là. Voilà, c'était bien. C'était trop bien. Il y en a plus? Je pense. Aide-moi. Pèlera! On est vraiment dans la merde. Cillian,
T'aurais dû attendre un peu plus longtemps. Presque mort. Je voulais pas avoir à nettoyer tes entrailles de bon matin. Ils sont partis, tu peux y aller. Allez, arrête de faire le salopard. Regardez ça. Où est-ce que t'as... C'est rare. Tu nous laisses entrer ou ça deviendra encore plus rare. Et c'est qui, ça? Je suis un pèlerin. T'es pas là depuis longtemps, hein? Comment t'es arrivé en ville? Je te raconterai tout, promis, laisse-nous entrer. J'ai attendu un pèlerin une fois. Il était censé... Non, laisse tomber, ça n'a plus d'importance. Qu'est-ce que tu mijotes, Akon, hein? Je lui ai donné un inhibiteur, il a survécu. Mais t'es dingue! Il a besoin d'un biomarqueur. J'en ai pas. Des conneries. Je suis sérieux. Tiens, fils de pute. L'hôpital, alors? J'espérais éviter ça. Toujours à la recherche de la facilité, hein, Akon? J'ai juste besoin d'une leur puvée. Je reviendrai te chercher, tiens bon. Akon, pourquoi est-ce que tu l'aides? Est-ce que tu te souviens quand on aidait les gens? Moi, c'est sûr. Mais toi, ça m'étonnerait. Reste près de la lampe et repose-toi. Et n'écoute pas ce crétin. Crétin. On aidait les gens à l'époque, tu te souviens? Bien sûr que je m'en souviens, Brocky. Putain de chauffeur de taxi et une mère Teresa tout en... Dit que c'est ce que tu devais faire, cuisiner. La vie aurait été plus facile. Pas de traceurs nocturnes, pas d'Akon, pas de problème. Super drôle. T'as réussi? Presque. Les biomarqueurs se trouvent à l'hôpital du GRE. Je serai bientôt prêt, mais pour faire le boulot, j'ai besoin de toi. Où est-ce que je dois aller?
Si tu te mets dos à la porte de Cillian, ce sera tout droit. Tiens bon. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants ? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil? Dépêche-toi, Aiden. On doit entrer et sortir de l'hôpital pendant qu'il fait encore nuit. Il y aura plein d'infectés ici demain matin. Ça fait mal. Non. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants ? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants soient un monde pareil ?
Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Mais... Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants? On n'a pas pu sauver. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil? De l'hôpital pendant qu'il fait encore nuit. Il y aura plein d'infectés ici demain matin. La porte est verrouillée. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus? À leur âge, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Rien. Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil? Reste sur les toits, parce que si les hurleurs te repèrent... Ouais, je sais. J'ai pas envie de me retrouver contre l'un d'eux de sitôt. Une fois, j'ai emmené ma deuxième femme à l'hôpital. J'ai jamais conduit aussi vite de ma vie. Elle a perdu les os 3 mois trop tôt. T'as des enfants? On n'a pas pu sauver celui-là. Et à part ça, aucun à ma connaissance. Désolé. Tout va bien. Quelle personne normale voudrait que ses enfants voient un monde pareil?
La porte est verrouillée. T'inquiète pas, trouve le vieux bus. Un bus ? À leur hache, un bus s'est écrasé dans l'hôpital. Il a traversé le mur. Tu peux l'utiliser pour rentrer dedans. Comme personne n'a pu entrer, il y a de fortes chances qu'il reste des marqueurs. Je suis à l'entrée principale. J'ai marqué un itinéraire sécurisé. J'attends dans le hall d'entrée.
impressionnant, hein? Le GRE en a réquisitionné pas mal pour ses recherches pharmaceutiques. Quand tout est parti en couille, ils ont chopé des volontaires. Ils les payaient une blinde. Résultat, un gros tas d'emmerde. Verrouiller. Tu sais comment ouvrir une serrure? Bien sûr. Tourne la clé. Ici, j'ai pas de clé. Ah, con. J'ai fait des milliers de kilomètres. Tu penses vraiment que les portes sont un problème pour moi? Je vérifie, c'est tout. Je pense qu'il y aura tout ce qu'il te faut dans cette pièce, maestro. J'ai trouvé des pièces. Avec ça, tu peux fabriquer des crochets. Bien joué. Ah, t'as pas menti. Tu connais ton truc. J'ai pas eu le choix. J'ai été obligé de m'adapter.
Mia ? Heidi, où est-ce que t'es ? C'est une mauvaise idée, Mia. Si c'en était une bonne, ça serait pas amusant. Qu'est-ce que tu fais ? Mia, pas sur le mur. Arrête de parler et donne-moi ta main. Sûr. Parle-moi. Cet hôpital, j'en ai déjà vu un comme ça. Un site du GRE ? Eh ben, il y en a plusieurs en ville. J'ai ces souvenirs. La personne que je cherche, c'est Mia, ma sœur. Je t'ai déjà parlé de Waltz. T'as dit un truc, ouais. Je sais pas, tout se mélange dans ma tête. T'as effacé le souvenir, comme je l'ai fait pour ma troisième femme. Écoute, je suis sûr que l'infection n'aide pas. Lâche rien. On va trouver le marqueur et sortir. Allons-y. Ouais, merci.
Les belles au bois dormant. Ouais, on doit passer devant eux. Si tu t'accroupis et bouges lentement, ils te remarqueront pas. Approche-toi trop et t'es mort. Mais ça, tu le sais déjà sans doute. Ouais, grave. Thank you.
Il a perdu le contrôle du virus, le GRE s'est mis à arroser la ville de cette saloperie. Ça leur a super bien réussi, hein? Ce gars dont tu m'as parlé, c'était quoi son nom, Waltz? Ouais. Pourquoi t'as parlé de lui? Parce que je me rappelle qu'il faisait des sortes d'expériences. Ouais. Bah figure-toi qu'il était pas le seul. Il y avait d'autres villes comme Vildor, avec des murailles, coupées du reste du monde. Il y a pas mal de monde qui bossait sur un vaccin, Aiden. Mais bon, le monde est rempli de connards. Thank you.
D'accord. Sois prudent. C'est pas stable. Allez. Laisse-moi une seconde. Vite. On n'a presque plus de temps. Je vais pas y arriver. Attends. J'ai une idée. Du cocktail que je t'ai servi plus tôt à l'atelier des filles. Des inhibiteurs. Exactement. T'es tombé au premier étage. Il y a du stockage du GRE là-bas. Cherche des caisses blanches vertes. Les inhibiteurs devraient être à l'intérieur. Si tu prends une autre dose, tu devrais retrouver tes forces. Thank you.
Mia. Et moi aussi, alors que je suis plus petite. Joue pas les poules mouillées, Heidi. Et si le docteur nous voit? Il nous verra pas. Et puis faudrait qu'il nous attrape aussi. Allez, me lâche pas. Sois pas une poule mouillée, Aiden. Thank you.
j'ai pris l'inhibiteur. Fantastique. Retourne à l'ascenseur. Je t'attends. Akon ? Akon ! Parti un moment. Comment tu te sens ? Infecté, mais je suis prêt à y aller. Ah, bon, c'est cool. Désolé pour ça. Hein ? À propos de... À propos de ça, au nom de toutes ces putes, bandits et idiots, je te baptise citoyen de Ville d'Or. Quoi ? Tu vas te transformer ! Vite, viens dans la lumière ! Cours !
qu'ils étaient rapides, ces enfoirés. C'était moi une. Qu'est-ce que tu ferais sans moi, pèlerin, hein ? J'ai jamais voulu devenir un pèlerin. Je suis plus ou moins tombé dedans. J'ai parcouru le pays pour une toute autre raison. Je suis à la recherche de ma sœur. Et ensuite quoi ? Ensuite ? Tu feras quoi une fois que t'auras trouvé ta sœur ? Je nous trouverai un endroit pour vivre, un endroit tranquille. Faut que je m'installe quelque part maintenant que je suis infecté. Et où est-ce que tu vas aller ? N'importe quel endroit sera mieux que cette ville. Ouais, tu places pas la barre très haut. Je trouverai un endroit où les gens ont pas peur des pèlerins. Ou de moi. Ce serait sympa de plus avoir à courir ou se cacher. J'ai toujours voulu attraper du poisson. Hein ? Le poisson, c'est bon. Eh ben, moi aussi, j'ai un plan pour plus tard. Ça a l'air d'être ton genre, ouais. J'aimerais vivre près de l'océan. C'est censé être plus facile là-bas. Ah, j'ai toujours rêvé d'apprendre à surfer. T'es tombé sur un paquet de vieilles cartes postales ou quoi ? Ah, te moque pas de mes rêves, mec. Je sais une chose. Faut que je me barre de cette ville. Elle me tue. De l'intérieur. Est-ce que tu m'aideras ? L'océan est bien loin d'ici. On est tous les deux infectés, et les gens veulent pas de pèlerins pour voisins. Pff, on les emmerde, je m'en occuperai pour... Et tu peux m'aider à survivre sur la route ? Tu connais les routes, tu sais comment survivre en plein air. Qu'est-ce que t'en penses ? On pourra se couvrir les miches ? Ça marche pour toi ou pas ? Ok. On y va. Génial. Ça marche. Tu le regretteras pas. C'est promis. Alors, pour ton objectif, voilà la situation dans le coin. Après le meurtre du commandant des pacificateurs, ils ont bloqué la route vers le centre. Ils veulent empêcher le tueur de s'enfuir. Pour arriver au fisheye, faut être plus malin qu'eux. Et je sais quand ils changent la garde de nuit, ce sera notre chance. Je dois récupérer les trucs nécessaires pour passer. Il faut que j'évalue nos chances. En attendant, balade-toi. Viens un peu. Viens. Je vais te montrer un truc. Tiens, t'auras besoin de ça. Jette un coup d'œil sur la ville, le vieux Vildor. Plein d'endroits intéressants à visiter.
Tu vois l'église? C'est là que les hurleurs nous pourchassaient. C'est le centre du quartier. Tu trouveras des panneaux d'affichage de disparus un peu partout en ville. Il y en a un près de l'église. Peut-être que là-bas, tu trouveras quelque chose sur ta sœur. Et s'il n'y a rien, profites-en pour t'amuser. La fin du monde est derrière nous, pas vrai? Ça peut pas être pire. Je te recontacterai quand j'aurai pris les choses en main.
Le vieux Hank s'est fait tabasser pour une bouteille d'eau hier. La situation devient vraiment incontrôlable. Il nous faut du courant pour allumer les lumières UV. Monte pour activer le moulin avant, ok? Soldat. Laissez-moi partir. Ces tunnels regorgent d'infectés.
J'ai appris que t'étais du genre curieux, pèlerin. Explore les rues et l'intérieur des bâtiments si tu veux en savoir plus sur l'histoire de cette ville. Carnage en 2024. Dieu seul sait où elles sont maintenant. Et toi, t'as de l'eau à vendre ? Je t'en donne.
Nouvelle marchandise. Ravi de marchander avec toi. Je connaissais un couple, Carl et Ellie. Ils habitaient au-dessus de la boutique d'antiquité sur Horseshoe. Ils avaient genre 80 balais. Mais ils s'aimaient encore comme au premier jour. Je me demande ce qui leur est arrivé. Achète ici! Achète maintenant! On n'est plus d'eau cette semaine. À moins que Dame Nature n'ait pitié de nous en nous envoyant de la paix. J'ai tout ce que tu veux. Je les ai tous perdus. Ils sont plus là. T'as rencontré lui ? Ils étaient si beaux. Qui est parti? Vous avez besoin d'aide? Non, non, mon ami. Merci, mais il n'y a plus rien à faire. Mais pourquoi? Qui vous avez perdu? Mes poissons! Mes précieux poissons!
Vous réalisez ce que c'est de garder des poissons quand il est difficile d'avoir de l'eau? Mais ils étaient mes amis, mes maîtres. Pourquoi sacrifier l'eau pour des poissons? Mais pourquoi pas? Eh ben parce que l'eau est chère. C'est une denrée rare. Non, je le sais bien. J'ai dû presque tout donner. Mes denrées, ma farine et les armes de mon père. Non. Mais ils ne peuvent pas survivre sans eau, bien entendu. Et dans ce monde, qui sait combien il reste de poissons? La plupart des eaux ont été polluées. Ah, tous ces poissons que j'ai vus flotter le ventre en l'air. Une vision bien triste. Pourquoi les poissons sont si importants pour vous? Puis-je vous poser une question en retour? Pourquoi cette arme est si importante pour vous? Eh ben, je dois me protéger, vous savez, pour survivre. Ah, vous voyez, tout cela est si subjectif, n'est-ce pas? Ce qui est nécessaire, ce qui ne l'est pas. Pour moi, les poissons sont fondamentaux à l'existence. Les poissons vous enseignent tout ce que vous avez besoin de savoir sur la vie. Ça me rend curieux. Où sont vos poissons? Malheureusement, comme je vous l'ai dit, mes poissons ne sont plus avec nous désormais. Ils sont partis. Qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un les a mangés. Attendez, quelqu'un a mangé vos poissons? Quelqu'un est entré chez moi et a mangé tous mes poissons. Et il a ensuite bu toute l'eau. Cette eau pour laquelle vous avez tant sacrifié? Qui donc? Dites-moi, vous voulez que je le pourchasse? Non, oublions tout ça. Je crois savoir de qui il s'agit. J'ai vu des eaux jetées devant chez lui, mais n'y pensons plus. Quoi? Vous voulez pas vous venger? Mais il a mangé vos poissons! Une des nombreuses choses qu'un poisson vous apprend est la patience, comme je vous l'ai dit. Et aussi d'accepter ce que le destin vous apporte. Quand vous les avez observés suffisamment, nageant simplement dans leur réservoir, ils ne remettent pas en question l'endroit où ils sont. Ils ne se plaignent pas que le réservoir soit si petit. Ils sont juste là. Attendez. Quoi? Alors, attendez, que je comprenne bien. Vous avez dépensé toute cette eau pour ces poissons. Ensuite, quelqu'un mange vos poissons et boit l'eau. Et pourtant, vous n'êtes pas en colère. Oh, j'étais en colère, mais que m'apporte la colère? Ça ne cause que de la négativité et des remords. Peut-être qu'un jour nous pêcherons dans les rivières et les océans à nouveau. Ah, pêcher, ah oui, pêcher vous apprend aussi beaucoup sur la vie. Vous parlez comme un apôtre du poisson. Je suis pauvre comme un apôtre à présent. Ça, c'est sûr. Adieu, mon ami. Je suis désolé que vous n'ayez rien appris de mes poissons. T'as rencontré Ulysse? Je lui fais... Pas confiance à ce type. C'est un ancien...
Non, laisse tomber. S'il n'y a plus d'eau, on sera tous niqués. Les pacificateurs comme les civils. C'est une blague, c'est ça? J'en serais pas sûr. Tu sais, il y a plus de gens qui se suicident de nos jours que de gens qui se font tuer par les virulents. J'imagine qu'ils ont besoin d'un but dans la vie. Et disons qu'un but dans la vie... C'est pas vraiment ce qu'on trouve ici. Faire le tour du coin. Ne fais pas confiance à ce salopard. Come on.
Moi, je peux pas dormir à cause des bruits horribles que font les infectés à l'extérieur. Yeah.
Seigneur, nous renvoyons Thomas à tes côtés. Puisse son corps infecté trouver la paix en retournant à la nature et son âme ne plus jamais souffrir pareil calomnie. Notre Seigneur, nous savons bien que cela fait partie de tes projets. Humblement, nous attendons ta venue, à toi, notre Sauveur. Come on.
Thank you.
semble normal, ça? J'ai rien trouvé. Stopper ce soir. En tout cas, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous dis à très bientôt. Et à la prochaine. Adios.